Dans la nuit du 12 au 13 août 2017, dans le local BLTS, il y a eu 3 bandits qui en cavale. C'est Clovis Cadet qui a été arrêté pour de paix pour trafic de drogue et la CAI tour de jeunes plusieurs armes, dont des armes qui pour PNH. Il y a Taylor Pericchio Valentino, qui est un que les Tico, qui lui-même sont bahaméens liés, ils ont été arrêtés pour double meurtre. Alors, M. T. fait mettre ça aux États-Unis, il est venu cacher Haïti, côté que DCPJ, et suite à enquête qu'il a menée, et suite à l'opération d'arrivée, il a mis en collecte et personnalisé, qui était lui-même fait un double meurtre aux États-Unis. Gen tout Berger Milo, que nous tous connaissons, qui est chef gang à Kaye, pas trop longtemps, dernière conférence là, nous avons parlé, et nous avons présenté Bandi sa, la population, hein, côté que tout problème, tout kidnapping, toute attaque, tout braquage qui est fait sur route à Kaye, monsieur, c'était lui-même qui était auteur principal, là, et c'est lui qui a réfléchi tout couillon. Gagné à vidéo recherche, qui lancé contre 3 Mounsayo qui sauvé dans le local BLTS. Clovis Cadet, infraction reprochée, association des malfaiteurs, détention illégale, ZAM, trafic illicite de stupéfiants, également évadé de prison. Taylor Pericchio Valentino, on dit que les Tico, Bahaméen, double meurtre, évadé de prison. Berger Milo, c'est certain que toute télévision qui était dans la conférence là a gagné visage bandit ça sur base de données. Infraction reprochée pour Berger Milo. Association des malfaiteurs. Détention illégale ZAM. Tentative d'assassinat, kidnapping, évadé de prison, qui était sauvé en 2010 dans la pénitentiaire nationale. Son bandit qui est très dangereux. Et toute la police là était derrière. Et DCPJ est arrivé à arrêter. N'a pas noté chef gang ça, il a fonctionné sous plusieurs noms. Milo Berger qui s'est nom, il a fonctionné tout sous Charles James, Miralas Archul, alias Pouchon. Monsieur Sayo, du 31 août 2015 au 18 juillet 2017, monsieur Poukont Palé est impliqué dans 24 cas. Enlèvement. Gagné en total 31 personnes qui sont victimes de réseau ça côté que M. Tab dirigé. DCPJ a été arrêté le 19 juillet 2017 à Delma 19. 4 M. Sayo, Milo Berger, Josué Laplante, Johnny Carius alias Big et Paul Michelin. Gagné plusieurs matériels que nous avons saisi. Caille, M. Sayo, lors de l'arrestation. Machine, également, ZAM Galil, que nous avons gardé là, qui c'est ZAM Milo même. C'est ZAM du service, c'est ZAM ça qui fonctionne. Nous avons saisi lors de l'arrestation qui était faite le 19 juillet 2017, là, dans Delma 19. Gagné plusieurs mondes tout que nous avons cherché dans Gangza, et nous avons fait une vidéo de recherche là, il est important pour nous retourner sur lui. Rénal Joseph ou James Jules alias Blanc, évadé de prison. Mike, ainsi connu. Patrick, ainsi connu. Tête Calé, ainsi connu. Samy, ainsi connu. Frankel, ainsi connu. Et Jean-Romel Charles, qui continue que les belles moyens. Milo Berger, lui impliqué dans l'attaque qui était faite contre cortège. Président en fonction, hein, le vendredi 7 avril 2017 dans Saint-Arts. Il est impliqué tout dans l'attaque qui était faite contre ancien Premier ministre Yvon Neptune le 26 novembre 2016 dans Akaye Luli. Il est tout impliqué tout dans l'attaque à main armée qui était faite contre des diplomates américains samedi 7 février 2016 zone Saint-Médard Akaye.
li tout impliqué tout dans attaque et incendie qui était fait dans sous-commissariat Saint-Médard là, également évasion qui était faite dans prison civile à Caire. Au niveau de la police, il y a une enquête qui ouvre pour d'abord fixer responsabilité. On a dit qu'il y a 6 policiers qui en isolement, dont l'inspecteur de police qui est même responsable de supervision. Alors, pour raison d'enquête, là, nous pas populariser non, parce que nous était dans le cadre d'enquête et l'enquête là, même justement, l'a avancé. Et déjà, nous sommes capables de dire que nous avons une belle avance qui fait au niveau enquête là. Gagné tout et CRO qui est informé, gagné parquet autour qui est informé de avis de recherche là, gagné direction départementale, toute direction départementale qui est informée de avis de recherche là, gagné Interpol qui est informé, avis de recherche au niveau de la police dominicaine et opération recherche a continué au niveau Arcaïen et gagné plusieurs unités de la police là, dont soit justement qui dans l'opération ça. Et j'en nous dis, enquête judiciaire a fait pour fixer responsabilité et pendant que vous parlez là, et policiers qui étaient de garde, je ça, 5 policiers qui étaient de garde, ils ont attendu et inspection générale déjà touchée et la police, direction générale, la recommandement, passer instruction pour que l'enquête là capable de mener et pour aboutir à résultat. Et quel que soit le monde qui est impliqué, soit par faute, ou bien par bavure policière, ou bien par faute administrative grave, il y a des sanctions que la loi dit et fixée pour ça. Et la justice a au courant et a transféré tout dossier devant la justice. N'a pas noté que les policiers qui attendent, ils n'ont pas attendu pour contre eux, et il y a un juge de paix justement qui est là pour faire constat, pour tendre justement avec les enquêteurs. Pour que nous soyons capables justement de faire lumière sur ce qui s'est passé. Hein, parce que nous n'avons pas qu'à des individus, de bandits aussi et puissants que Berger ça a, qui a pile problème, plusieurs sont victimes de lui. Il y a un cas qui est triste, il y a une dame même, pendant la violée, il était identifié et nous étions québé et nous étions justement parlé de nous étions même montré battre ça, pour dire que c'est pendant qu'il a fait violer que la dame était. Oui, non, et c'est à fonctionner sur l'autre nom, côté que et tout détail, toute information, tout ça que nous avons comme données, comme matériel, tout est déjà entreposé au niveau du CPJ et enquête là, et nous avons garanti que nous avons joint 3 personnes qui évadé, et quel que soit à côté, nous avons joint. Et nous avons demandé à la population, encore une fois, collaborer, pas tolérer les bandits, notamment Milo, qui est très dangereux et nous connaissons que la population qui vit à Kaéa, pour le moment, n'est pas bien parce que yo même tout, yo te victime de bandits. Nous avons intérêt pour ne pas cacher. Et quel que soit côté que les cachés et les gens complices du côté de caché, la police a arrêté tout le monde. Alors, je comprends une question là et intérêt justement qui est la question là. Lumière, vous l'avez faite. Vous avez souhaité justement pour la population et qu'il y a plus de détails. Mais et pour le moment, nous sommes en phase enquête. Et type d'enquête ça a plusieurs dimensions. Et première phase là, c'est audition pour qu'on soit capable de fixer responsabilité et garder pile transparence dès que il y a une évolution dans le dossier ça, la presse à propos. Et c'est certain que les situations arrivées, la population a fait pile considération, notamment la presse. Mais je nous dis, nous pas anticiper, il y a une enquête qui est en cours et n'a pas de patience au moment opportun. N'a dit exactement ça qui passait, l'élevé et qui moun qui impliqué et qui moun tout qui arrêté. Parce que j'en nous dis, il y a 6 policiers, on dit 5 policiers, parce que l'inspecteur a lui-même, c'est lui-même qui fait travail de supervision, qui était gagné pour mission et responsabilité pour veiller cellule. Alors, c'est si responsabilité pas fixée, bon cadeau. Hein. Alors, n'a quitté l'enquête l'avancée. Et c'est certain que dans la prochaine conférence, il y a une mesure pour nous dire étape par étape, mais qui côté nous. Techniquement, on ne peut pas dire exactement pour effectif de disposition que la police prend, soit en zone protégée ou bien dans le commissariat. Mais et 5 policiers, dont l'inspecteur de police, qui justement, c'est supervision qu'il a fait,
yo tant de moun sa parce que 5 policiers sa ont gagné pour responsabilité justement pour veiller cellule là. C'est des conciliations techniques qui a prêté pour le moment au niveau enquête là. Ouais. BLTS c'est une entité liée en dehors de CBJ. En matière d'enquête, ou pas capable de mettre tout le monde même côté. Faut ou capable de mettre dans des directions bien des commissariats différents de manière les enquêtes là pour que nous capable tirer conclusion pour nous capable permettre pour faire et pour nous permettre que moun yo déclaration pour nous et pour nous garder est-ce que articuler bien. Alors DCPJ c'est la direction centrale de la police judiciaire en donne en pile et direction dans pile entité effectivement quand on va parler voilà gagner justement on garde à vue au niveau DCPJ mais BLTS tout l'autorité qui sous tête c'est DCPJ. Alors ça capable arriver que dans matière d'enquête côté ça garde à vue qui surveille qui hautement surveillant, il est mieux pour que nous placer des individus qui danger là-dedans. Alors c'est juste une raison qui permet que nous te mettez et Milo Berger et l'autre monde tout non lieu sûr. Mais qu'on y a là si yo arrivé sauvé, faut monde qui gagne mission pour te garder, faut qu'il réponde et faut qu'il dit dans quelles conditions qu'il sauvé. Population c'est partenaire nous en matière de sécurité. Et nous fait plusieurs expériences avec et plusieurs avis de recherche que nous lançons, n'arrivent à joindre Mounio, c'est grâce à l'appui de la population. Et c'est même ça que nous avons demandé pour nous faire pour nous. Parce que nous ne sommes pas capables de briser de tous côtés. Nous sommes capables d'habituer avec dans des zones. Bon, c'est certain que coiffure que vous avez là, les gens doivent caler tête ou bien doivent jouer tête. Mais tout, si vous habituez avec tout changement physique que l'a fait, il est important pour mettre la police au courant. Il est important pour mettre la police au courant. Alors, et ça permet justement pour nous dire population, pour nous balancer ensemble de numéros de téléphone. Pour être capable de toucher la police et pour qu'elle soit capable d'arriver rapidement faire intervention parce que toute direction départementale, la police derrière trois Bounzaïo, notamment Berger, Milo, chef de gang. 38 37 11 11. 38 38 11 11. 28 17 05 45. 38 34 11 11. 38 36 11 11. C'est ensemble numéro pour permettre que pour nous toucher la police, quel que soit côté nous, ouais. Et quel que soit le signe physique que nous avons développé pour que nous mettions la police au courant, pour que nous soyons capables d'arriver à prendre. Et nous croyons qu'avec l'appui de la population, nous avons joint M. Sayo, dont Berger Milo, chef de gang.